Aujourd'hui, bulk day, biceps. On va se faire 4 ou 5 exercices biceps. Et on va se barrer. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre de l'endurance et avoir une bonne congestion. Parce que c'est important. Je prends des haltères et je vais m'échauffer tranquillement. Échauffement, j'ai pris les 8 kilos. C'est de faire 30 reps en curl. Supination. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Franchement, ça fait mal, mais ça va. Ça va, ça va. Là, le corps, il est froid, mais j'aimerais vraiment aller chercher la congestion plus rapide. Plus rapide pour vraiment être dans ma séance. Vraiment. On va repartir bientôt. Genre, si j'ai pris mon eau. Parce que si je l'ai pas pris. Non, c'est bon, je l'ai pris. C'est dans mon sac et flemme. Flemme, flemme, flemme. Sinon, toi, j'espère que ça va. Que tout se passe bien pour toi. Hier, j'ai réussi à faire mes 3 vidéos YouTube dans la journée. Là, aujourd'hui, on va essayer de faire pareil. Le bulk day. La vidéo programme sur ma chaîne secondaire. Même si que là, ça va être dur parce que là, je fais les bras. Donc, je ne sais même pas ce que je vais faire à la maison. Et la vidéo sur la thématique de la photo vidéo. Ça va être dur. Mais c'est le défi que je me suis lancé cette semaine. Allez, c'est parti. On repart pour 30 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça commence à chauffer. Ça commence sérieusement à chauffer. Mais c'est pas encore là. C'est pas encore là, mais ça commence. C'est bien. Je suis content. Les biceps, pour ceux qui me connaissent, c'est un point fort chez moi. Donc, je les entraîne pas tout le temps comme avant. J'entraîne peut-être une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais quand je les entraîne, j'essaye de mettre un volume conséquent, histoire de bien les sentir. Hein. Bien les sentir et les conserver aussi. Parce que ça reste mon point fort. Un point fort, faut le conserver, faut le garder. Mais j'ai fait moins qu'avant, tu vois. Et du coup, je vais les travailler différemment que comme si je travaillais mon dos, ou comme si je travaillais mes jambes, ou comme si je travaillais mes pecs, tu vois. C'est parti, troisième. Comme ça, au moins, je serai chaud. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh. Waouh. Waouh. Ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Là, je sens mon corps chaud. Je le sens. J'ai envie de refaire un quatrième. Juste pour valider ça. Encore pire. Et je me sentirai bien.
la personne que je dis bonjour, faut que je le filme. C'est une personne amputée de la jambe, bodybuilder. Et franchement, j'aime son mental, j'aime son mindset. Et pour ce projet 99, je filme les paroles de personne. Et lui, j'ai envie de le filmer. Tu vois, j'ai vraiment envie de le filmer. Donc, je le filmerai. Même si j'ai d'autres personnes à filmer avant. Mais lui, je filmerai. Oh. Allez. Comme on a dit, petite dernière. 30, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, allez, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais, là c'est bon. Ah, là c'est bon. Ah, là je suis dedans. Là je suis dedans, c'est bon, ça fait du bien. Là, comme il y a du monde, je vais rester que dans cet espace-là. Je vais pas trop bouger, histoire de pas trop déranger les gens. Et on va essayer de faire pas mal de biceps pour être bien, tu vois. Biceps, bras. On va voir ça. Je pense que je vais faire du marteau, du curl marteau, biceps avec curl, supination serrée. Ça peut être intéressant, ça peut être bien et ça va nous faire mal. Mais en tout cas là, je me sens bien, j'ai mal, j'ai une bonne congestion et je vais bientôt retirer mon haut hein, parce que j'ai un haut de basket en dessous et l'idée c'est de voir que les bras ils sont présents malgré tout, tu vois. Je vais garder les 8 pour toutes mes phases de biceps parce que ça a rien de prendre trop lourd pour les deux, tu vois. Puis je sais pas si je vais assumer, mais je vais essayer de prendre lourd pour mon exercice initial et une charge, on va dire, légère pour le reste. Allez, c'est parti. Là, je vais avoir super mal parce que j'ai pris les 22 en halter pour faire mon neutre. Là, j'aurai super mal. Vraiment, j'ai pris les 22 en halter pour faire mon neutre et les 8 pour faire mon serré. Je vais faire 8 répétitions à 22. 10 si j'arrive à les faire. Et on va essayer de faire 20 reps en serré, si je peux. Ouais. Allez, c'est parti. 1. 2. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Oh. Ça fait mal. On y va avant. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Putain. Ça fait mal. Ça fait mal. Franchement, les 22 en... En neutre, c'est lourd, super lourd. C'est super lourd. On va en faire 3 séries comme ça. Là, je prends un temps de repos assez court parce que les biceps, ça récupère très vite et je vais avoir mal. Sachant que je veux que ma séance soit efficace et je veux que ma séance finisse vite, tu vois, clairement, parce que j'ai plein de choses à faire. Mais là, plus important, mon esprit est dans ma séance. Donc j'ai envie d'avoir mal et je vais avoir mal. Allez, c'est parti, deuxième. Allez, c'est parti. 22. Fais ça bien. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6.
7, 8. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt. Ça tue. Incroyable. C'est incroyable comment ça tue. C'est une dinguerie. Oh. Je crois que j'enlève mon haut là. Parce que sinon il va être dur à enlever. Si ma condition elle vient trop là, il va être dur à enlever. Je l'enlève maintenant. Non, franchement, le marteau, la prise marteau en lourd, elle fait mal. Hein. Elle fait mal, mais on sent que j'ai perdu en force. J'ai perdu du poids. Et ça se sent réellement, hein, vraiment. Parce que de base, je prends les 30, hein, 30, 32 kilos, je te fais des séries de 10, normal. Mais là, comme je te l'ai dit hier, le fait de perdre du poids, quand t'es nachi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie comment tes sens changent, comment tu te sens mal. Là, j'appréhende déjà ma séance pec. Tu vois, ma séance pec, elle va être douloureuse. Ça va soulever des 35, des 40 kilos, il n'y aura plus de 50, il n'y aura plus rien. Ou peut-être 50, il y aura des 6 reps. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, il faut accepter. On sera plus esthétique, moins fort, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est de valider et faire les choses bien. Au niveau de la congestion, elle n'est pas encore là, tu vois, mais elle va venir. Elle va venir tranquillement. Allez, c'est parti. Dernière, on fait ça bien. Un angle de vue contre-plongé de fou. Allez, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, allez, sept, huit, oh, allez, fais ça bien, je suis bien dans le cadre, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh. Oh. Ouais. Franchement, je sens que ça commence à venir. C'est pas encore là, mais quand je sais comment ça va venir. Là, je prends la barre Z, je vais prendre deux poids de 20 kg dessus et je vais balancer ma série. Bon, j'ai ma barre Z. Je vais mettre les poids de 20 dessus. J'ai deux poids de 20 là. Je vais les prendre. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et l'idée, c'est de faire 10 répétitions. Avec le poids de 20, contrôlé. Et après, on va prendre les 8 et on va se faire un curl en supination échec. Donc 10 échecs. Ça va être dinguerie. Vraiment. Ça va faire mal de fou. Ça va faire mal de fou. J'ai pas le choix. Même si que les biceps, c'est un point fort. Faut quand même se faire mal. Faut quand même se faire mal. Faut quand même aller chercher, les gars. Faut aller chercher. T'as un point fort, que ce soit dos, pec et tout. Quand tu bosses, va chercher. Va chercher ce que tu peux faire, ton mal. Ton point fort doit devenir encore plus fort. Quitte à ce que les gens disent, ouais, t'as que des biceps, t'as que des pecs, c'est pas grave. Quand tu les bosses, au moins tu les bosses sérieusement et tu prends du plaisir. Et ça, c'est important. Allez, c'est parti. Deuxième exercice,
lourd. On fait ça bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Deuxième, je m'arrête à 8. Je vais m'arrêter à 8, mais je me suis fait non, d'habitude j'en fais 10. Mais là, là c'est chaud. Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait super mal. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, ah, incroyable. Comment ça fait mal, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Ça fait super mal. Oh. On va faire 8. 8 de 20. Même si je voulais aller chercher plus que 20, mais je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Si je mets l'impulsion, je vais aller chercher plus que 20, mais si je fais un mouvement propre et contrôlé pour l'échec à la fin, ça va être dur. Alors que le travail, il est différent, tu vois. Quand tu bosses vraiment en contrôlant la charge, ton ressenti, il est mieux. Il y a plus de difficultés, le ressenti, il est mieux. Et tu continues à progresser. Quand tu fais juste de l'endurance musculaire, c'est bien aussi, mais niveau des muscles, il y a moins de travail, tu vois. Tu seras plus endurant. C'est bien, mais moi, voilà, moi, je veux de la masse, moi. Moi, je veux un muscle dur, un muscle sec. Un muscle endurant, pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Pas besoin de ça. Je me pose un peu et je repars. Franchement, cette série va faire mal. Hein. C'est, elle va faire mal. Là, j'ai déjà mal. Là, je me dis déjà merde. Je me dis merde. 50 kilos en curl bar Z. C'est lourd. Super lourd. Les 8 derrière à l'échec. Enfin, à l'échec. 20 reps font mal. C'est incroyable. Je te conseille aussi de faire ça. Hein. T'as du mal à prendre des biceps. Tu veux bien les sentir. Ça va t'aider. Un exo lourd. Où tu peux faire 8 reps. Et juste après, biceps directement. Tu prends une charge légère, moyenne, échec. Échec sous contrôle. Ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec le dos, ça marche avec le pec. Dans tous les cas, je te montrerai plusieurs entraînements comme ça. Et les belles decks qui vont venir, ça va être juste un seul groupe musculaire. Là, un seul groupe musculaire. Comme là, hier, c'était que les jambes. Là, c'est que les biceps. Demain, on verra. Suivant la douleur que je vois au biceps, on verra si je fais les pecs ou le dos ou autre chose, tu vois. Mais là, c'est un seul groupe musculaire. Histoire de maximiser mon temps. Aussi, préserver mes forces. Parce qu'après, on a autre chose à faire. Mais ouais, franchement, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, on va avancer. On va avancer. On va faire ça bien. Allez, c'est parti. Deuxième. Allez. On envoie. Proprement. Fais ça bien. Je vais me mettre comme ça. C'est parti. Non, l'angle il est mauvais comme ça. Je vais me mettre comme ça. L'angle sera mieux. On y va. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, oh, encore 2, 7, 8, par contre, tu commences à avoir mal au poignet, c'est un truc de fou, hein. Tu perds un peu de poids, toutes les petites douleurs, elles arrivent, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, très bien. Très bien. C'est incroyable. Je suis KO. J'ai mal. Il en reste une. Une dernière. Une dernière pour les biens. Franchement, les gens comme moi, quand les points forts biceps, on est tous des vaillants hein, parce que les biceps, c'est tellement ingrat, ça fait tellement mal. Quand tu les bosses sérieusement, ça fait tellement mal. Ça brûle tellement, c'est tellement chiant, tu vois, que le fait de continuer, le fait d'aller chercher, le fait d'avoir mal et de se dire c'est pas grave, je vais chercher mes 20 reps, je vais chercher mes répétitions lourdes, continuer, faire des biceps, il faut vraiment être un bon, hein. Vraiment être un vaillant. Les jambes aussi, hein, les jambes aussi, c'est une dinguerie. La douleur des jambes, c'est trop. Mais les biceps, en fait, les biceps, c'est un petit muscle. T'as l'impression que le biceps, il va s'envoler. C'est incroyable. C'est incroyable. Faut aller chercher, faut vraiment être, courageux. Hein. C'est une dinguerie. Il me reste une dernière. Après, faut que je vois ce que je fais. Parce que les poulies, elles sont prises. Je peux pas aller au poulies. Je suis dégoûté. Poulies, c'est... C'est mon meilleur exo, mon meilleur mouvement, mon meilleur ressenti. Ça a dépassé la barre Z. Mais là, je pourrais pas la faire. Mais on verra après. Le plus important, c'est de valider sa dernière rep pour des gros bras. Pour déchirer ce t-shirt, même si on perd du poids. C'est important. Le t-shirt va flotter au milieu, mais au moins, les bras sont serrés dedans. Ça, c'est ce qu'il faut. Dernière. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, très bien. Oh. Oh. Putain, ça tue. Incroyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, putain. Ça va? Oh. Oh, je suis éclaté. Je retire tous les poids, je range ça là. Et je te retrouve après. Je suis mort, vraiment. C'est incroyable. Ok, exercice suivant, peut-être le dernier exercice, on verra. J'ai pris la barre dans celle-là là. Bon, il y a 10 kilos dessus, hein. Enfin il y a 2,5 kilos, je sais pas la barre fait combien. Je vais faire du double curl neutre avec 2 secondes de contraction, 20 reps, tranquillement. Il sort des bien me fumer, on y voit. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, et je contracte bien mes biceps. 1, 2, 5, ça fait encore plus mal. 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12. Allez. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. 1, 2, 16. 1, 2, 17. 1, 2, 18. 1, 2, 19. 1, 2. Ok. 20. Ça fait mal. Je pensais que ça allait pas faire si mal que ça.
mais toujours confiance en mes techniques d'exercice. Toujours. Parfait. Là, au bout du bras, là, je sens que je suis bien. Enfin, je me vois pas trop dans mon rotor parce qu'il est loin. Mais au niveau de la congestion, on est là. On est là et on continue. On lâche pas. Je vais peut-être, c'est pas sûr, peut-être tout se passe bien. Parce que la caméra, elle est bien passée. Ouais, elle est bien passée. Si tout se passe bien, je vais faire des tractions en prise pronation. Non, prise supination, pardon. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Je vais peut-être finir avec ça. Je verrai. Je verrai. Il y a du monde de traction quand même. Hein. Il y a du monde. Hein. Si je trouve une place, je le ferai à la fin. Mais là, on fait trois séries. Trois séries comme ça. Et après, on est bon. Hein. On est bon. On s'est fait mal. Et on pourra poursuivre notre journée tranquillement. Allez. C'est parti. Deuxième. Fais ça bien. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Oh. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Ça fait super mal. Une, deux, douze. Une, 13, 1, 2, 14, hey. 1, 2, 15, il n'y a rien pourtant sur la barre, 1, 2, 16, 1, 2, 17, 1, 2, 18, 1, 2, 19, 1, 2, ok, bon, très bien, bon, franchement ça fait mal, ça fait super mal, c'est bon, alors c'est une dernière après on est bon. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a que 10 kilos là. 10 kilos sur cette barre. Il y a un bulk day où je mettais deux poids devant dessus. Bon, après, je faisais des reps. On va dire en mode bulk, tu vois. Pas de contrôle, rien. Mais. Putain. Normalement, je suis beaucoup plus fort que ça. Clairement, beaucoup plus fort que ça. C'est incroyable. Mais on continue, on lâche pas. On lâche pas. Je suis en déficit calorique un peu. Mais on lâche pas. On continue à faire les choses bien. On continue à s'arracher. On valide notre séance. C'est le plus important. Vraiment. Le plus important, c'est de pas lâcher son objectif. C'est de rien lâcher. C'est de faire les choses bien. C'est de continuer. Aller chercher ce que tu mérites d'avoir. Se faire mal, vraiment, se faire mal. Se faire mal, c'est le plus important. Bon, c'est une dernière. Moi, c'est une dernière, je vais valider, je vais faire les choses bien. Je vais faire les choses bien. Là, j'ai même pas encore bien séché, que j'ai déjà envie de repartir en prise de masse, vraiment. En fait, j'ai envie de repartir dans le mood où je mange ce que je veux, et je pousse lourd, et je suis content. Je repartirai dans ce mood-là en hiver, tu vois. Parce que j'aime bien. Mais la muscu, c'est combattre ça aussi. C'est aller à la salle quand tu sens que t'es fatigué, tu sens que t'as pas la même force, t'as pas la même énergie. La muscu, c'est ça, tu vois. La muscu, c'est pas juste, tu vas à la salle, tu te sens bien et non. Faut apprivoiser tout type d'humeur en muscu. Et moi, enfin, de mes 10 ans de muscu, je connais tout. Je connais tout. Je connais tous les états, tu vois. Je connais le fait d'aller à la salle en étant malade, aller à la salle en étant blessé, aller à la salle en mangeant rien, aller à la salle en mangeant trop, aller à la salle juste après un KFC. Je connais tous les états, tu vois. Et je m'adapte à chaque fois. Mais là, aller à la salle, déficit calorique. Pas faire une grosse séance parce qu'après tu fais autre chose, c'est dur. Parce que de base, la majorité de mes entraînements c'était je vais à la salle et après je rentre, je dors, ou après je rentre, je suis posé devant une série, ou je rentre, je joue à la play, je suis tranquille. La salle, pour moi, a toujours été synonyme de fin de journée, tu vois. Fin de journée ou début de journée, jour de repos, après je fais rien.
Mais là, c'est juste là, c'est un peu plus dur, mais j'accepte et je valide. Dernière, on fait ça bien. Allez. Je suis un vrai. Une, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Une, deux, douze. Une, deux, treize. Une, deux, quatorze. Une, deux, quinze. Une, deux, seize. Une, deux, dix-sept. Une, deux, dix-huit. Une, deux, dix-neuf. Une, deux, vingt. Ça va être un miniature, ça. C'est un miniature. Oh. Franchement, je me sens bien. Je sens bien la congestion. Je la sens en moi, mais je sais pas si c'est la condition que j'aimerais avoir. Mais je suis content. Je suis content. Au niveau des tractions, il y a un peu de monde, mais je vais voir si je peux me faire une place. Et puis voilà. Ouais, parce que même il faut une barre droite pour faire la supination. Il me faut une barre droite. Les barres écartées, je peux les prendre. Donc je vais voir ça et je reviens. Non, là, franchement, je fais le tour de la salle. Et il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place sur la phase de traction. Mais c'est pas grave. On a fait une bonne séance quand même, malgré tout. Moi, je vais te laisser ici. Préparer mes affaires, rentrer. Faire une vidéo d'entraînement maison pour ma chaîne YouTube secondaire Dame Jordan Training. Donc rejoins-moi ici si tu veux faire une séance avec moi. En plus, je vais parler, je vais discuter, donc ça va être cool. Et puis voilà, moi je te dis, porte-toi bien et à demain si ça se passe bien pour un nouveau bel coup d'œil.